Salut internaute, aujourd'hui je te propose de partager ta connexion internet via le Wi-Fi de ton ordinateur. Et pour ce faire, c'est très simple, on va le faire à la manière geek, c'est-à-dire avec des lignes de code. Alors ici, on va avoir le code dont on va avoir besoin. On va tout simplement premièrement mettre en place ce réseau virtuel, donc on va lui donner un nom, par exemple mon Wi-Fi, donc c'est le nom que vous allez avoir sur votre appareil mobile, par exemple sur votre smartphone. Donc vous allez voir que ce réseau, mon Wi-Fi, existe, et à droite vous allez pouvoir mettre la clé qui est en fait le mot de passe. Ensuite on va tout simplement démarrer ce réseau, et puis on pourra ensuite, pourquoi pas, l'arrêter, le stopper, ou tout simplement complètement le supprimer. Alors pour ce faire, on peut le faire de deux manières différentes. Soit on peut aller directement dans l'invité de commande, donc on peut cliquer droit sur le menu démarrer ici et aller dans invité de commande admin, ce qui va nous ouvrir une fenêtre, voilà. Ou alors on peut également, si vous souhaitez utiliser la recherche, taper cmd, vous allez avoir cet élément qui va s'afficher, exécuter en tant qu'administrateur, et puis nous arrivons sur la même interface. À partir de là, on va pouvoir tout simplement copier ce code, le coller ici. Alors pour le coller, vous pouvez cliquer droit, CTRL-V ne fonctionnera pas. Et ensuite, vous allez pouvoir aller changer vos informations. Alors le mieux, c'est encore de les changer avant dans un éditeur de texte, comme ça vous avez simplement à le copier et puis à cliquer sur Entrée. Alors moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est pas forcément de le faire via cette interface d'invité de commande, parce que c'est pas forcément très pratique. Et puis si l'on souhaite recréer le réseau encore une fois le jour suivant, bah, il va falloir retaper tous les éléments. Alors ce que je vous propose, c'est tout simplement créer un fichier batch. Alors l'intérêt, ça va être de tout simplement avoir à double-cliquer sur le fichier pour pouvoir démarrer à nouveau le réseau. Il vous suffit ensuite tout simplement de cliquer droit sur le bureau, cliquer sur Nouveau, Document de texte. À ce moment-là, vous allez pouvoir changer le nom du document pour, par exemple, démarrer Wi-Fi. Et vous allez changer l'extension en écrivant .bat. Il va, à ce moment-là, vous demander si vous souhaitez véritablement changer l'extension et vous dites que oui. Vous allez ensuite l'icône qui va changer, ça va être des engrenages. Et ce qui vous indique que c'est un fichier qui va être en fait un exécutable. Lorsque vous allez double-cliquer sur le fichier, quelque chose va s'effectuer. Le code qui va être à l'intérieur va être effectué. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement modifier le document ici. Alors vous pouvez très simplement cliquer droit dessus et ensuite l'ouvrir avec un document de texte tout simple, ou alors vous pouvez l'ouvrir ensuite avec Brackets Sublime Text par exemple, c'est le logiciel que j'utilise actuellement, ou le notepad normal. Alors pour ce faire, nous allons donc simplement copier cette ligne ici au début. J'appelle mon réseau Wi-Fi mon Wi-Fi. Mon mot de passe, je vais mettre mon mot de passe exactement. Bien sûr, je vous invite à changer ces identifiants, sinon ça va être un peu trop simple pour craquer votre réseau. Et ensuite, on va demander à ce que le réseau démarre, et donc on va copier cette ligne de code. Nous avons plus qu'à sauvegarder le fichier. Et donc pour démarrer le réseau, c'est très simple, on double-clique sur l'élément, ça va ouvrir la fenêtre que nous avions ouverte un peu plus tôt. En fait, ça va faire ce que nous aurions dû faire à la main, tout simplement. Et donc là, ça va avoir lancé directement le réseau et démarré, puisque c'est ce que nous avons demandé dans le fichier. Alors on peut aller le vérifier tout cela en cliquant sur l'icône en bas, sur votre connexion, clic droit, ouvrir le centre réseau et partage. Et donc nous voyons ici notre réseau Wi-Fi, mon Wi-Fi. Donc c'est en fait le nom que nous avions donné ici. Alors pour aller voir un petit peu plus en détail, on peut aller dans modifier les paramètres de la carte, et là vous allez voir votre connexion qui se trouve ici. Voilà, alors si jamais vous n'avez pas internet sur votre connexion, vous pouvez aller sur la connexion internet que vous utilisez, là où internet vient en fait, arrive sur votre ordinateur. Vous cliquez droit dessus, propriétés. Et en fait, on va aller dans les fonctions de partage. Et là, vous allez voir qu'il va falloir autoriser d'autres utilisateurs du réseau à se connecter via la connexion Internet de cet ordinateur. Et on sélectionne tout simplement le réseau domestique correspondant, qui est celui-ci. Alors là, vous avez vu que c'était automatique, mais quelquefois, ce n'est pas automatique. Donc, vous pouvez comme ça le paramétrer vous-même. Il se peut également que vous ayez un problème au démarrage, c'est-à-dire que la connexion, si vous arrivez ici dans cette interface des connexions réseau, vous n'allez pas trouver cette icône ici, elle ne va pas être présente. Alors pour vérifier cela, vous allez tout simplement ici sur le menu démarrer, vous cliquez droit et vous allez dans gestionnaire de périphériques.
dans gestionnaire de périphériques, vous allez avoir différentes connexions sur la carte réseau, donc c'est en fait celles qui sont présentes ici. Et en fait, vous allez la voir, cette connexion, elle va se trouver dans la liste, un petit peu comme ici, VirtualBox, en fait, elle va être tout simplement désactivée. Et à ce moment-là, vous devrez cliquer droit dessus et cliquer sur activer. Vous allez voir, quand je vais activer celle-ci, ça va activer directement celle-ci. Voilà. Et on peut également ensuite la désactiver directement dans cette interface. Alors il faut savoir que cette connexion va disparaître à chaque fois que vous allez éteindre votre ordinateur. Alors pour la voir réapparaître, on a la chance nous maintenant d'avoir ce document et donc on a tout simplement à double-cliquer sur le fichier et donc on démarre le réseau très rapidement. Vous pouvez également bien sûr changer le mot de passe ou le nom du réseau très régulièrement, il n'y a aucun problème. Et si jamais vous souhaitez stopper, arrêter le réseau, vous prenez cet élément, vous le copiez. Et puis vous allez donc ouvrir l'invité de commande, donc ce que nous avions fait au début. Et vous pouvez copier l'élément, appuyer sur Entrée et le réseau hébergé s'est arrêté complètement. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite astuce vous aura plu. En tout cas, moi je l'utilise beaucoup puisque j'ai simplement Internet qui arrive par l'Ethernet directement dans mon ordinateur. Et je n'ai donc pas de routeur Wi-Fi entre les deux. Et donc de cette manière, je peux avoir Internet sur mon smartphone par exemple. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !